Bonjour les amis! Aujourd'hui, on va faire un petit dindon! On a Brielle et Noah avec moi aujourd'hui pour m'aider. Alors les amis, vous avez besoin d'un morceau de papier. Un morceau de papier pour le café. Je vais le mettre ici. Et tu peux avoir la peinture ou tu peux avoir les marqueurs, c'est ton choix. Tu as besoin d'un pinceau, madame aime celui-là, c'est une éponge. Et tu peux avoir des petits yeux, mais tu n'as pas besoin, tu peux juste utiliser un marqueur. Et un petit morceau d'orange, papier orange, n'importe quel tu veux, tu peux le mettre sur. Et aussi, tu as besoin de la peinture brun. OK. Et la colle, si tu vas utiliser les yeux. Alors, on va commencer. Alors, pour la peinture, tu vas mettre un petit peu de l'eau sur ton pinceau. Tu vas prendre la peinture. Essaye de ne pas mettre sur la table. Et tu vas juste faire ça. OK, vas-y. Et fais, continue, Brian. Et fais jusqu'à temps qu'il n'y a plus de blanc qui reste. Madame Trout va te montrer comment utiliser les marqueurs pour faire ça. Alors, Madame Trout va utiliser orange, brun. Est-ce que ça fait bien? Yeah, continue. Vert et jaune. OK. Yeah, c'est super. Ooh! OK, alors Madame Trout va utiliser... Alors Madame Trout, j'ai fait avec les marqueurs et la couleur. Oui? On fait toutes sortes de choses avec les marqueurs ici. Oh, voilà. Alors si tu as trop de l'eau sur ton pinceau, juste fais ça. OK? Vas-y! Et on a une serviette ici que tu peux utiliser. On va mettre une serviette en dessous. Il y a du bleu. Oh, ça va, c'est joli. C'est parce que tu as utilisé un petit peu de bleu qui est à côté. C'est cool. OK, alors madame a colorié un petit peu de brun. On va mettre un petit peu de... Ça, tous les couleurs de l'automne. On peut faire ça. Si tu veux, mais j'aimerais mieux que tu fasses un squishy comme ça. Oh. La peinture, ça? Non, ça. Oh, oh, c'est la menthe. La menthe. Mmh. Oh. Cannelle. Orange. Oh. OK, regarde, j'ai utilisé deux couleurs ici. Et je continue. Ou orange, c'est bien. Yeah, mais orange sent comme les oranges. OK, un petit peu plus vite. Vas-y. Parce que les amis, on fait toute la journée pour faire ça, n'est-ce pas, les amis? C'est la nuit. Bravo, Brielle. Vas-y. Moins de l'eau, comme ça. Moins de l'eau, plus de peinture. Regarde. OK, je veux beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleurs. Oh! Quoi? Je ne sais. Banane. Ah, banane. Oui, banane. Quoi? Banane! Yes! Banane! Oh, regarde, madame ajoute jaune dans tous les espaces ici. Je ne veux pas le blanc! Oh, petit Nelson, il veut le chat! La petit chat! Oh, Nelson! OK, vite, 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 pas de blanc. Regarde celui de Mme Trout, pas de blanc.
Ça, c'est pas toi, ça vient de Michel. Oui, mais c'est moi qui l'a fait. OK, j'ai fini. Ici. Alors maintenant, je prends l'eau. Wow. Make it look like paint. Ah, parce que c'est les marqueurs que tu peux utiliser l'eau avec. Regarde ce qui arrive là. Wow, so Madame, cool. Ça c'est whipping. Oh, ça va. Madame, ça va, juste continue, juste fini. Tu as trop de blanc. Ouais. Regarde. Wow. It all blended together comme ça. Ça va l'air super bien. Regarde, quand c'est fini. Wouh! OK, Madame Trout va laisser sécher. Yoink! OK, c'est presque fini là? Oui. Alors, les amis, si tu es prêt à continuer, Madame Trout va te montrer quoi faire. Oh non! Ça va. Tu vas prendre la peinture. Hein? Tu vas prendre un petit pinceau. Tu vas prendre ta corde à linge. Et tu vas la peinturer comme ça. C'est mieux de tenir comme ça et tu ne vas pas peinturer tes doigts. C'est pour tout le monde. N'oublie pas de peinturer tout à l'intérieur. Est-ce que ça c'est pour tes classmates? Oui, c'est pour la classe de Madame Trout. Et le monde. Et pour tout le monde, tous les amis qui veulent qui veut faire des bricolages avec Madame Trout en français. OK, regarde. Oui. J'ai peinturé tout, ma corde de linge. OK. Fini. Une fois que tu as fini de peinturer ta corde de linge, tu peux le laisser ici pour sécher. Attention, là. OK, laisse-le sur le papier. Ah, non. My arm's getting wet. OK, alors, on va pas être capable de construire notre petit dindon aujourd'hui parce que ça va être trop mouillé. Mais Brielle, tu peux commencer à peinturer ta corde à linge. Merci. Et une fois que tu as fini à peinturer ta corde à linge, on va utiliser celui de Noah. Oui, ça c'est bon. Oh, ne peinture pas la table. OK. Une fois que c'est séché, tu peux mettre comme ça, ça c'est ses pattes. Tu peux mettre les petits yeux bouing, bouing, ici. Fini. Ou tu peux coller les petits yeux comme ça. Fini. OK. Ça, c'est bon. Oh, qu'est-ce que c'est? Exclusive. OK. Après que tu as fini ça, alors Noah, tu peux couper un bec. Un bec? Oui, oui, mon. Oh, attention, tu vas faire ça après. Noah va couper un bec qui est un triangle. Dindon! OK, coupe. Coupe un triangle. OK, les amis, c'est tout séché. C'est fini comme ça, OK? Ça, c'est comment est-ce que tu vas le mettre ensemble. Tu vas le plier en deux comme ça. Tu vas prendre ton petit dindon. Dindon. Et tu vas lui pincer comme ça. Ah,
Notre petit dindon. Mais je suis pas fini. On va le finir après parce que ce n'est pas sèche. Merci les amis. Oui, on va faire après parce que ce n'est pas sèche. J'ai déjà montré aux amis comment le faire. Alors, au revoir les amis. Joyeux action de grâce. Bye. Merci Brielle et Noah.